Et salut tout le monde, ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir les bottes de George Ezra dans Roblox. Donc c'est un nouveau objet gratuit que vous pouvez obtenir. Mais juste avant de passer à cette vidéo, je veux demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et donc là on va continuer la vidéo. Alors tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer dans le jeu de George Ezra. Donc le lien de ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer. Et donc en fait, tout simplement, dès qu'on est dans le jeu, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller chercher un rhubarbe. Donc en fait, c'est dans le map et je vais vous montrer où c'est. Donc alors, je pense que je vais juste accélérer la vidéo pour vous montrer où partir. Alors voici le rhubarbe, donc il faut tout simplement juste le prendre. Donc en fait je pense que l'objet gratuit il est nouveau parce que ça avant il n'était pas là. Donc je vais juste le prendre et en fait dès que vous avez le rhubarbe il faut juste partir le nourrir à un poisson. Donc je vais juste rentrer dans ce canot pour gagner du temps. Et en fait si vous avez regardé la vidéo où je vous ai montré comment avoir le puzzle, vous avez forcément vu comment avoir le puzzle qu'il y avait dans la bouche du poisson. Donc il faut juste repartir vers ce poisson et lui nourrir le rhubarbe. Donc voilà, je vais juste partir. Et là, vous pouvez même voir, il y a un panneau où c'est marqué « Ne pas nourrir Conny ». Donc, c'est marrant comment ils ont nommé le poisson Conny. Donc, voilà. Et là, comme vous pouvez voir, il y a le poisson. Donc, il faut juste lui nourrir. Je vais essayer de rentrer dans sa bouche. Ah, il a juste fermé sa bouche. Dommage, je dois attendre. Mais là, dans 2-3 secondes, il va rouvrir sa bouche. Donc, je peux rentrer et lui nourrir. Ah, voilà, il a ouvert sa bouche. Donc, je vais juste rentrer et lui nourrir. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai reçu le badge, donc ça veut dire qu'on a reçu les bottes. Et donc voilà, c'était si simple, donc j'espère que je vous ai bien expliqué. Alors c'était tout ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, alors n'oubliez pas de lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce type de vidéo. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez vous rejoindre à mon serveur de Discord qui sera dans les commentaires épinglés. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À la prochaine !